Hey les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste en conseil, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes et ça me fait ultra plaisir. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Minecraft les abonnés. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous donner un petit défi de like. Aujourd'hui, je vais donner quoi comme défi? Combien je pourrais vous donner? Je sais que la dernière fois, vous avez réussi à faire plus de 4000 pouces bleus. Est-ce que aujourd'hui vous serez chaud les abonnés pour faire 6500? Bon, je vais voir si vous êtes capable. 6500 pouces bleus cette vidéo, je compte sur vous les abonnés. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. À tout de suite. C'est parti les abonnés, on va aller voir ma fille parce qu'aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo avec ma fille, donc je sais pas encore quoi faire. On va voir avec elle simplement aujourd'hui, ben s'il y a quelque chose de prévu ou pas. Travaux en cours, ne pas rentrer. Bah là c'est du coup ne pas toucher parce que du coup elle a repeint tous les murs, elle a tout changé. Bon, les abonnés par contre, vraiment mettez un maximum de likes. Moi je veux que le mur il disparaisse, les abonnés. Elle veut qu'il reste, donc c'est soit vous mettez un like ou soit vous en mettez pas, mais il faut en mettre un maximum les abonnés et nous dire dans les commentaires est-ce que vous voulez qu'on le garde ou pas ce mur. Si regardez, il est tout rose ici. Ou sinon faudrait en faire un bleu pour celui de Toto. Bon, c'est parti, on va toquer chez elle. Luna. Elle est pas là. Bon, sa chambre elle est rangée, les abonnés, regardez, il y a son petit pavé et tout. C'est plutôt... c'est propre. Les abonnés, c'est bizarre que ce soit tout propre comme ça. Ok, elle est pas dans sa chambre. Attendez, on va descendre en bas. Ouais, elle est peut-être dans sa chambre, la chambre de son frère. Luna. Non, elle est pas là. Ok, bon, elle est pas là non plus. Je sais pas, peut-être qu'elle est dehors, je vais aller voir. Attendez, on va descendre le deuxième étage, les abonnés. Je sais... Allez, c'est ciao tout ça. Et on va rien payer. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais, Luna? Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Si, y a rien. Hein. Y a rien. T'étais en train de lancer du papier dans du feu là. C'est pas que du papier, hein. C'est des impôts, les factures. Quoi? C'est le courrier qu'il y avait là-bas? Bah oui, j'avais rien compris. Donc du coup, bah j'ai tout jeté. Oh non, mais les abonnés, elle est vraiment bête, Luna, à jeter toutes les impôts. Ah non, non, Boubou qui est bête, hein, moi je suis pas bête. Pourquoi Boubou encore? Ah non, Boubou il est bête et moi je suis pas bête. Ah non, 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 Boubou il est plus intelligent que toi là sur le coup. Bon, du coup, les gars, Luna t'as vraiment. Attends, mais Luna rentre parce qu'il fait, noir, enfin il fait nuit, comment ça s'appelle dehors. Luna t'as vraiment jeté tous les papiers, il en reste pas? Non, non, il en reste plus. Quoique, il reste. Tiens. C'est quoi ça? Une facture. Oh, une facture de McDonald's. Bon, ça on s'en fout, tu peux le garder. Bon, mais les papiers importants, les abonnés, et les a tout jetés. Punaise, c'est vraiment saoulant ce qu'elle a fait. Bon, c'est pas grave. On va essayer. De toute façon, je leur demanderai les papiers à être envoyés chez moi. Bon, Luna... sinon, tu payes par internet. Oui, c'est vrai, je ferai par internet. Bon, du coup, sinon, Luna, t'avais une idée de vidéo aujourd'hui? Ah ouais, on va appeler SCP là. On va l'appeler, mais comme ça, après, il va nous répondre et il va dire pourquoi il veut tuer tout le monde. Quoi? Tu veux appeler SCP-96? Ouais, ouais, je veux. Ouais, je suis ok. Bon, les abonnés, apparemment, Luna va appeler le méchant qui est apparu hier, qui a détruit un peu la tour des héros, etc. Elle veut qu'on l'appelle maintenant avec un téléphone. Par contre, j'ai pas de téléphone, moi. T'en as un, toi, Luna? Non, il faudrait en acheter un. Ah oui, oui, ok, bah vas-y, viens avec moi, on va aller au commerce. Bon, regardez, les gars, il fait déjà... Y a un problème, on n'a pas d'argent. Si, si, ça, j'en ai de l'argent, qu'est-ce que tu racontes? Si, si, j'ai de l'argent, bon, attendez, on va même en prendre maintenant, les abonnés, je vais prendre des diamants, hop, comme ça, je paierai le truc. Ah oui, merde, j'en ai pas beaucoup. T'as raison, j'en ai pas beaucoup, Luna. Bon, on verra avec le marchand, on essaiera de négocier, je le connais bien. Donc c'est parti, est-ce qu'on passe par là? Ouais, c'est un petit... Ouais, il s'appelle comment? François, je crois. Ouais, c'est François. Parce que les abonnés, je sais pas si vous en souvenez, mais justement, je crois qu'il a été ultra content. Il m'avait envoyé un message parce que justement, tout le monde lui disait François, t'es le meilleur vendeur, etc. Et il est où? Est-ce qu'il est là? Ok, bon, pour l'instant, je vois que dalle les abonnés. Ok, il y a quelqu'un ici. Ok, c'est parti. Alors, brique à braque, pas cher. Luna, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Okay. Vas-y, ben, ouvre le truc du monsieur. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour, ma petite. Bonjour. Ah, Warriz. Ah, vous souvenez de moi? Ah, mais oui, mais comment t'oublier tous les commentaires gentils que j'ai reçus grâce à toi? Ah, ça me fait énormément plaisir. Ah ouais, à ce point, les abonnés ont... ça, c'est ma fille, ça. Eh, hey, Luna. Il y a des animaux, je vais l'aider. Coucou, ça va? Ah oui, il y a des animaux. Ah, c'est des vrais, en plus. Oui. Je vais lui faire un bisou. C'est Luna, ton nom, c'est ça? Ah non, mince, désolé. Oui, oui, elle s'appelle Luna, elle s'appelle Luna. Eh ben, pour la peine, parce que votre papa est vraiment très gentil. Tiens, je t'offre cette peluche. Oh, oui. Et cette rose. Ouais, c'est beau, elle aime bien, mais genre pas plus que ça. Bon, sinon, monsieur, je viens vous voir parce que tout simplement... qu'est-ce qu'elle fait, Luna? Luna, arrête de faire n'importe quoi avec les animaux, là. Hein. Mais non, je veux manger du poulet. Oui, mais il y a le coronavirus, tu sais très bien qu'il faut pas les toucher, sinon... Ah, ah ouais, désinfecte-toi les mains. Bon, du coup, monsieur, par contre, je vous ai contacté. Enfin, je suis venu ici simplement parce que j'ai besoin d'un téléphone.
Un téléphone. Bah comme vous pouvez voir, j'ai trois modèles différents. J'en ai un peu rustique, mais qui marche très bien. Un okay. petit peu plus moderne, les appels passent bien, il y a un bon son et tout ça. Et un mural. Un mural, ok, ok. Bon bah du coup... Ouais, le mieux je pense que c'est celui-ci. Bon bah du coup, on va prendre celui-ci. Monsieur, il coûte combien? Attendez, je vais regarder déjà si j'en ai un autre en stock. Vas-y. Non. Ah, ici, j'en ai un autre. Regarde pas ça. Ok, et il coûte combien du coup, monsieur? Normalement, je le ferai à 100, mais vu que la dernière fois, vos commentaires ont vraiment redonné... Arrête de crier! Qu'est-ce qu'elle dit? Merde. Je les entends pas, moi, Luna, pas besoin de faire ça. Mais non, mais si... Donc, ce que je disais, c'est que vu que la dernière fois, tous les commentaires positifs que j'ai redonnés sur moi, j'aimerais bien que vous j'aimerais bien que les personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent à votre chaîne et remettent quelques commentaires positifs comme ça et quelques likes aussi. Ok, ok, bon bah du coup, voilà. Elle fait la fiesta. Et ça sera gratuit? Oui. Wouah. Ok, bon les abonnés, je sais pas si vous avez entendu, mais François le vendeur, je crois que ça, vous appelez comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien François. Ok, ok. François le vendeur, simplement les abonnés, il nous dit quoi? Il nous dit qu'aujourd'hui le téléphone, j'aurais peut-être pas besoin de me donner mes 64 diamants qui me restent, donc je l'aurais peut-être gratuitement, mais il a dit qu'il fallait qu'on compte sur vous. Tous les abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut tous que vous abonnez à la chaîne YouTube. Et si vous êtes abonné, bah c'est nickel, vous avez juste à mettre un commentaire. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo, s'abonner. Et simplement, au moins, vous serez abonné, vous pourrez regarder toutes les vidéos, les abonnés. Et aussi, il faut mettre un commentaire gentil pour François, comme ça il sera content. Dites-lui comme quoi il est sympa de nous donner plein de trucs gratuits, etc. Parce qu'en plus, ça coûte très cher un téléphone. En plus, je sais même pas c'est quoi comme marque. Mais bon, on s'en fout les abonnés. Bon bah du coup, je pense que les abonnés vont mettre plein d'abonnements et plein de commentaires, monsieur. Attendez, je vais regarder. Oh, c'est la marque Apple. C'est la marque Apple. Nickel. Bah tenez, voilà, je vous l'offre. Ok, nickel, super, merci. Bon bah vas-y, bah bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Allez, ciao. Au revoir, okay. Madame, monsieur. Vas-y. Viens Luna, du coup là attends, je vais faire une petite marche arrière ou quoi que je vais faire le tour. Tout simplement là les abonnés, on a un téléphone en notre position. Donc là c'est parti, on va aller simplement appeler le monstre du coup SCP-96. Donc là on va retourner à la maison et on va l'appeler, j'espère qu'il va pas... Je sais pas s'il va être méchant, mais en tout cas on va essayer de comprendre de pourquoi, le pourquoi du comment les abonnés. Pourquoi il est méchant, pourquoi il veut tuer des gens etc. Et pourquoi il s'en est pris à la tour des héros. On va lui poser plein de questions et peut-être qu'un jour on le verra les abonnés. Hop c'est parti, vas-y viens Luna. J'arrive. Du coup, il faudrait qu'on rebarricade hein, la maison, non? Non, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. Parce que du coup, on avait mis des barricades pour ceux qui avaient vu les vidéos et on les a toutes enlevées parce que du coup, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Bon, c'est parti, je vais poser le téléphone ici sur le plan de travail. Vas-y, Luna, tu viens? Ok. Ouais. Par contre, t'as son numéro? Marc SCP. Ah oui, vas-y. Bah, marque-le au pire et moi, je réponds. Alors, SCP, et c'est quoi son numéro là? C'est 096. 096, voilà. Ok, c'est bon, t'es prête? Ouais. Vas-y, appelle, appuie sur le bouton pour appeler. Et toc. Ok, attends. On va voir s'il répond, ça sonne pour le moment. Ok, bon, du coup, les gars, pour l'instant, ça sonne, on l'entend pas. Qui ose me déranger à cette heure? Je sais pas si vous nous connaissez, c'est Awariz et Luna. Vous pensez célèbre? Non, on vous connaît pas. Bah oui, on est quand même connu. Ah nous, on est célèbre, ah, oui. On est connu. On était oui, dans la tour des super-héros la dernière fois quand vous avez voulu tout détruire. Ah, c'est donc vous qui m'avez empêché de tout détruire. Oui, à peu près ça, oui. C'était une perte de temps, écoutez. Parce que vous m'avez empêché certes une fois de le faire. Mais pourquoi pas m'empêcher une deuxième fois maintenant? Non mais... Luna. Barricade de partout. Mais c'est ce que je suis en train de faire parce que je l'ai entendu là, il veut tout tuer. Ok, nickel. Mais nous on veut seulement savoir, mais pourquoi vous vous en prenez à nous? Pourquoi vous en prenez à la tour des héros? Pourquoi? Pour mon simple plaisir, écoutez. Quoi? Mais ça vous fait plaisir de tuer des gens et de vous en prendre à des innocents? Bah oui, c'est quelque chose d'assez normal. Wow, les abonnés SCP-96, en fait il aime ça, genre bah du coup, tout simplement bah venir chez les gens etc et les tuer et les faire peur les abonnés. Et là J'ai une petite question pour vous. Oui. Vous êtes bien dans votre cuisine et vous m'appelez bien avec un téléphone que vous venez d'acheter auprès d'un certain François. Oui, comment vous savez ça? Je sais tout mon cher, je sais tout. Oula les gars, les abonnés, je sais pas, ça se trouve il va apparaître là bientôt. Ok. Et vous êtes où, vous? Moi, je suis nulle part et partout à la fois. Par exemple, je peux très bien être dans ton jardin, hein,
Oh, les gars, il y a SCP-96, non. Pourquoi tu cries, papa? Parce qu'il y a SCP-96, vite, vite, va te cacher, t'es où? On se cache. Attends, je vais mettre une trappe en fer, vite. Ok, attends, ok, c'est parti avec des abonnés, on va mettre des trappes en fer ici, hop. Je sais tellement que ça va être mignon, il va s'arrêter, il va le chouchouter. Ouais. Imagine ton nounours, c'est un piège, Luna. Imagine, bah voilà, François, c'est un... Imagine François, il a donné ce nounours alors que ça se trouve, ça donne la position de où on est. Oh, vite. Imagine quand je le pose, bah genre en mode il y a SCP-96 qui apparaît. Attends, bah alors ça c'est beau, donc ça c'est pas. Mais ça c'est pareil, ça il te l'a donné en même temps. Alors ça? Ok, non c'est bon, ça a pas l'air d'être un piège. Ok, nickel. Bon du coup c'est parti, les abonnés. Je sais pas où il est. Attends, tu penses qu'il est où toi? Je sais pas, tu l'as vu où toi pour la dernière fois? Il était dans la cuisine, enfin plutôt dans le jardin. Attends, ce que je vais faire c'est que je vais monter sur le toit, d'accord? Hop. Vas-y. C'est parti. Oh, t'as regardez. Pas peur? Oh non, il fait jour, non, t'inquiète. Ok, il fait jour, les abonnés, on va regarder s'il est encore dans le jardin. Non, il y a rien du tout. Ok, les abonnés, c'est trop bizarre, Luna. Oui, effectivement. Attends, on va voir si le téléphone il a raccroché ou pas. Attends, c'est parti. Bon, du coup, on descend un peu à l'arrache. Hop. Ok. Ouais, c'est bon, c'est raccroché. Le téléphone il est raccroché, les abonnés, regardez. On ne voit plus rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Luna? J'ai cassé. Ok, bon, aussi, rappelle. Ah oui, t'as raison. Ok, bon, du coup, les abonnés, je sais pas si vous avez vu, vous avez compris ce qui s'est passé. Tout simplement, SCP-96, on l'a appelé pour savoir, du coup, pourquoi il voulait du mal à tout le monde. Et tout simplement, il a apparu dans notre maison pour nous tuer. Du coup, on a réussi à bloquer l'entrée du haut avec une plaque en fer, les abonnés. Mais il va falloir vite régler le compte, tout simplement, de SCP-96 parce qu'il a l'air vraiment féroce. Regardez, Luna a mis sa petite tenue. Moi, pour Super Luna. Vas-y, Super Luna, va à la tour des héros pour voir s'il y a de nouvelles missions. Ok, regardez, bon les gars, il pleut, donc à mon avis, c'est de dire que ça annonce quelque chose de mal. Ce qu'on va faire, les abonnés, c'est que nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines vidéos. Du coup, on se dit à la prochaine. C'était Awariz, Luna. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. Mettez un maximum de pouces bleus, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, on tente 6000 pouces bleus sous la vidéo. Pardon. Du coup, là, faites tout ça, les abonnés. Et mettez un petit commentaire pour voir tous ceux qui sont restés jusqu'à là de la vidéo. Mettez un commentaire avec le mot SCP-96. Voilà, le nom du monstre. Du coup, nous on se dit à la prochaine, c'était Awariz, ciao tout le monde.